Welcome to SFB News <laughs> people, like, share, I'm on the street baby <laughs> Yeah? yeah. Alright, 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 welcome back to SFB News guys, une autre belle épisode qui s'en vient NFL, Champions League, on est avec mon boy Musel God What's what's up? Penty. Sir. Kaza. Nope. Oh, que tu mets ta main. <laughs> <All right, laughs> la caméra, ouais. <laughs> On va commencer euh, tout de suite avec la NFL parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Mm. Euh, je... On écoute présentement Sunday night, by the way. Yes, Steelers. On peut qu'on react 6, Raiders. Trash, trash Sunday night. Trash. Well bon, Trash. Trash. A, trash. A, a trash. 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 Les Red sont 0-2 sont 1-1. Uh, 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 uh. C'est une belle petite game. Tu sais, d'habitude c'est la semaine 3 qu'on commence à savoir qui est sérieux qui est pas sérieux, mm. right? Je so, ça peut être intéressant de voir peut-être que le coach de Mike Tomlin des Steelers mm. bah, va se réveiller. Il bah, s'est ouais. déjà réveillé, il a déjà fait un upset à la maison contre les Browns, right? Ouais. C'est déjà un upset yeah, ça. Okay. Oh, stop Allez, un upset. Un, vrai mini vrai. upset un, un mini upset. Un mini upset. upset. Alright, on va commencer avec la game des Giants euh, de, euh, contre... Euh... The Niners. Yeah, yeah, yeah. Euh, Comment euh, j'ai détesté cette game-là? parce que pour Détesté. moi détester détester ce parce que pour moi les Giants ça fait à jouer au football ça fait à coacher au football euh, comment euh, je comprends que ton running back et toi, les blessés, mais tu coupes plus le ballon comprends pas c'est comme si les autres running back c'est unit, une unité n'existe pas là tu fais toute confiance à Daniel Jones Daniel je rappelle Daniel Jones c'est lui que je confie confiance je pas dire manning Daniel Jones guys on va arrêter de niaiser là que ma question tout de suite, c'est une fois que porte le porte-ballon numéro un blessé, est blessé, est-ce qu'on devrait continuer à courir le ballon, oui ou non? Oui. Oui, mais oui. est-ce que la question c'est est-ce que t'es capable? <rire> <Non>. <rire> mais t es t es capable, chier. oui ou non? Oui, les Giants, euh, Breda, Breda son nom? Ouais, Matt Breda. Breda, sa première run c'était un first down. Ta okay. première round. Okay. Après il y a eu la game, il y a eu 4 courses pour 17 verges. Ce qui n'est pas un mauvais ratio, là. C'est comme 3.8 la verge la par Carrie. Et as arrêté de courir. Ouais, mais il se faisait déjà ouais, péter. Ouais, euh, comm... La game a commencé, c'était déjà fini. C'était genre 10 à 0 ou, ou euh, 7 à 0. 10 à 0. Ils n'avaient pas, comm... pas couru le ballon. Non, mais... juste des point outs de Dan Jones qui s'est passé. Puis clairement, il n'est pas capable. Ouais, non, voilà, ouais, c est, c est, euh, Daniel Jones, premièrement, il a fini les Giants. Bon les, les Giants, ouh, <laughs> ouh, les 240 millions, les Giants, ils ne voulaient pas payer saquon Barkley. Je ne suis pas contre, regarde, il est déjà blessé, mais ils mm. n'ont pas dû payer Daniel Jones non plus. Euh, mais, euh, tu regardes, Brida fait une course, il fait trois verges. Euh, de, les Giants sont déjà dans le problème parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas capables de faire le reste de cette verges. Exactement. Donc, même si Brida aurait couru. Comme ils allaient toujours être en truc and comme five, mm -hmm. comme truc and long, comme ils, ils ont juste pas le personnel. Tu regardes les Giants, leur team est tellement trash que tout le receveur serait quatrième receveur dans n'importe quelle autre équipe. Euh, quatrième. À, ouais, quatrième. Regarde, ils fonctionnent il fonctionne avec, il fonctionne avec des paquets, un quatuor de quatrième receveur. Le, ils, de ils ont, ils ont un backup QB comme starter QB, no. ils ont pas de running back, un backup back qui se fait payer. Starter money, <laughs> money. Bootleg online. Okay <laughs> <laughs> He's on a tight end he's already back injured yeah. For real talent, yeah. pas. For real I didn't know I didn't the wide No no Giants. Slayton <laughs> Sl Slayton and Waller But Waller Waller He's trash No it's it He's not trash He's trash John can't connect with him Bro yes. <laughs> C'est pas qu'il est trash. John peut pas connecter avec lui, je peux pas connecter avec personne. je que le coach a juste pas mis. Le coach a pu un meilleur game plan pour, euh, pour pouvoir faire des passes. Mm -hmm. Mais je pense juste euh, il pouvait pas lancer deep, picole il pouvait pas lancer deep puis les DB savent que tu vas lancer juste des choix de passe. Il pressent il, il presse, reste en bas. Premier premier huit il, il descend là comme tu fais il y a pas de pump fake là. Non mm -hmm. parce qu'il sait que tu vas lancer hot, tout c'est hot. Le but arrive sur toi, Bossa arrive. Daniel Jules va lancer sous le premier weed. Les gars descendent tout de suite. Exactement. Pour répondre à ta question, il aurait dû continuer à courir. Parce que là, il aurait dû pack le box. Ça t'aurait donné un petit peu plus d'options pour les wide Pour cette c'était impossible. C'était possible. Les Niners, tu n'allais pas battre les Niners. Non, mais tu peux faire trois verges. comme À la fin de la journée, les Niners fonctionnaient. Il allait pas faire quatre verges toute la game. Bro, je suis pas sûr. On ne peut pas savoir. Il a arrêté. Exact. Exact. T'as raison. Moi, je te dis qu'il allait pas raison. T'as raison, Moi, j'aurais continué à courir parce qu'il faut au moins que tu montes à la prochaine team du tape. Parce Mon que là, chien. il n'y a rien à montrer. et Moi, je suis défensif, je te respecte pas ton running game. non, moi non plus, je te là, respecte pas. Je m'en fous de ce que tu montes et tu vas courir 15 fois. Je, si tu... parle, je parle pour les autres équipes de la NFL. En Donc, façon, si tu perds ton first running back, il faut quand même que tu continues à ouais, courir. Ouais, voilà, non, la pour... question, c'est ça. Il faut que tu, tu continues à, à parle courir. parle pas des Giants. Les Giants ça... sont trash. on ça, quand tu le personnel. C'est normal, eux, ils n'ont pas le personnel pour. C'était impossible. Personnel dans cette, cette game-là, c'était impossible. Ou pas, mais au God, il faut quand même courir le ballon. Mais, ouais, non, ça oui. c'est cash, mais c'est impossible dans cette game-là. Parce que, regarde ça, dès que ça a commencé, les choses avaient déjà un lead de comme 14 points ou 10 points. 10 yeah. points. Si, si, si les Giants courent, le cours, il faut juste perdre du temps. Les, les... Les... Les sont bien contents avec ça. Ils sont comme, OK, fais, fais tu, ça pour nous. Tu ne connecte pas. Il y a eu 32 attempts. Je pense que tu as eu seulement 13 ou 14 de combinaisons. On t'a déjà dit que Daniel Jones est un fleece. Non, il a fait ça. une vingtaine de combinaisons. Ok, 20 okay. sur 32. C'est juste c'est toutes des chouettes passes. Voilà. On a fini avec Daniel Jones. On sait qu'il est un fleece. Moi, ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord. Faut -tu que tu continues à jouer. voir. C'est juste que les Giants, c'était beau. Yeah. Ok. Kaza Personnellement, je pense que tu devrais être. Bah, ben, je time donc. <laughs> <laughs> Ou, autant pratiquer les plays que tu n'aurais pas pratiqué. backs. Dans... Maintenant, en parlant de running back, euh, là, là, beaucoup de running back numéro 1 sont blessés. Hmm. Uh, Barkley, uh, qui d'autre Job. Job, job, yeah, job. Oh, so job have, est terminé. Job have 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 fini. Season, ouais. out, of, out of career. Bah, C'est la, de la deuxième courrier, fois en plus. Rire, 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 rire. 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 À ce qui paraît, c'est moins pire qu'on pense. Ouais? À ce qui paraît... On va son genou a éclaté, on dirait. Moi, là, là cas que j'ai vu, on... <laughs> Mais, ça, ça à, du à ce mauvais qui sens. paraît, ça serait peut-être juste un MCL. Chubb oh, euh, est blessé. Uh, out of season, comme je disais, parce que son genou a éclaté. Euh, et puis... What's up? Mmh. OK, ça. Okay. Okay. Et puis, moi, pour moi, Éclo aussi s'est blessé aussi. Que le, il, il me semble qu'il est blessé. Sur ouais. so, beaucoup de running backs numéro 1 bicyclés sont blessés. Et là, ma question c'était, est-ce que c'est la raison pour laquelle ils sont moins payés que certains kickers dans la NFL yes. Oui, c'est la raison pour laquelle. Ok, pas moins payés que des kickers. <laughs> oui, mon okay. non Il bah, y en a des kickers y a qui sont, sont non. plus payés que des running backs. Numéro 1. Non, il n'y a aucun kicker qui est plus payé que un running back numéro 1. Justin Taku. Number 1. Non, il n'y en a aucun. Les kickers sont mieux payés que les running backs en average parce qu'il y a juste un kicker par team. Il y a ouais. plein de running backs, c'est des practice squad players. Eux ne sont pas payés. Ouais. Mais si tu es le starting running back, tu es mieux payé que genre un kicker. Yeah. Exact. Ça, ah oui? ouais? ouais, ouais. C'est parce qu'ils font un average ouais, avec Ils font le average les... avec la position. Exact. Mais il y a juste un kicker euh, par, euh, par, par team, puis il y a comme trois quatre running backs par team. Donc, le ça d'un running back dans une équipe est moins cher et moins. Que, ouais, que je comprends. Que, que. Mais, mais le, le running back 1 est beaucoup plus payé qu'un. Ouais. Ben, qu bah, beaucoup plus. Ok, ouais. mais voici ma question. Devrait-on moins payer les running backs vu qu'ils partent comme des plumes moi je dirais qu'ils devraient plus être payés parce que ces compensations, on a le plus de chances d'être injured dans notre job. Dans notre fou, job est plus fou, dangereux. Ouais. C'est vrai. Euh, je regarde. Mais aussi, il y a eu. J'avais vu que le NFL avait dit au running back. Et si vous avez, genre, n'importe quel genre d'injury, vous devriez euh, faire comme si c'était plus grave que ce n'était. Parce que, juste pour montrer que le, la valeur. Et que, je valeur. me dis, mm -hmm. il devrait. Il, je suis sûr qu'il pourrait jouer, mais comment. Hein, il va revenir dans trois semaines. C'est quoi et vous voulez pas me payer Perdez vos games. Et vous êtes trash sur moi. Mm. Ok. Ouais, Berkeley, bon, mais. C'est un point. Au, au lieu d'aller me tuer comme euh, c'est comme arrivé à chop que lui s'est caché oh. out of season. Output transcript: Out of -ou, career, I'm Et telling you. Berkeley, il y, y a comme un, un co-spring. Il comme, tu sais quoi, mon co-spring, peut-être peut ça prendrait une semaine, deux semaines. Tu sais quoi, je vais prendre un mois avant de revenir. Puis, je vais attendre que vous allez être out of. Comme vous allez déjà être éliminé. Ouais. Okay. Puis, vous allez payer Daniel Jones, c'est lui qui fait un QB. Je vais dire, votre chasse QB, C'est trash. So, pay me or trade me, that's it. Uh, tu regardes Jonathan Taylor, il est se plus, il est pas là comme. Mont... Les gars montent leur value par leur absence, quoi, que les... les, les causes... Zach Moss c'est en train de ball. Ouais, c'est ça. Lui, ça marche pas son affaire, mais non. bon. Anyways, la force c'est que Running Bag, il y en a toujours un autre qui veut prendre la place. C'est pour ça que les honneurs les, les veulent pas les payer, là, mais bon. Ouais, je euh, moi, je suis d'accord avec toi. Casa. Il y a plus d'affaires à rajouter que Donc, ça. Casa. Ah, je pense qu'on... Je pense que ton salaire devrait... Running back pas des pour dans le coin alors qu'ils ont running back prime dream pas comme ça je pense ok ah, mais qui a fait break the bank mais même lui il est rendu là il est en deux pieds deminthe Adams Adam Adams Tilly le gars a, a roulé le, le terrain tout seul mm. euh, bon autre question Jets Jets quoi, c'est quoi la question? <laughs> Jets quoi? Jets. Bon, là on sait tous là, Zach Wilson ne sait pas jouer au football. C'est bon, c'est bon, on va, on va arrêter, on va arrêter de débattre. Il ne sait pas jouer au football, c'est correct. Non, non mais. C'est euh... correct, c'est correct, c'est pas grave. C'est correct, c'est correct. Garrett Wilson. Ça sur... nous dit quelque chose contre les contre les contre Bill Belichick? c'est correct. correct. Okay. Garrett Wilson sur le sideline est en train de montrer sur le iPad à Zach Wilson. Qu'est-ce <laughs> qu'il va le faire? Yo, bro. Look at me, comment je suis libre. Lance-moi la balle. Yo. Garrett uh, Zach Wilson était comme my bad man, je t'ai pas vu. Garrett Wilson a snap. Il y a autre running back aussi le 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 pas Bisson, pas Davencook, Cook l'autre. Mm -hmm. lui aussi a snap. Prior, Carter. Carter. Les deux ont snap sur uh, Zach Wilson. Il, bro, il est trash, il est trash. Il, il, il sait pas, pas jouer au football. Yeah. Et... Pas à cool cause de ça. Si c'est pas assez fait. Toi. Non non, 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 pas, non, pas encore. Mais c'est Chic... <laughs> Tony qui... qui, a, qui a mais mais chez Buisson, après la game de la semaine passée, oui. il n'y a pas eu assez de run, il était vraiment fâché. Il a dit sur les réseaux sociaux. Il a, dit, a Parce que la première game, il y a run sur tout le monde, puis là, oh, on ne me donne pas le ballon. Ah, ils, ont, ils ont ouvertement dit que leur euh, aussi était... était bise. Mais toi, ça, je pense que le fait qu'ils sont allés chercher Dalvin Cook pour, mm. pour je ne sais pas quoi, tu avais déjà bonne back. Il y avait une blessure, mais il est revenu à temps. Puis dès sa première game, tu as vu qu'il était Et back. Il est rangé. Oui, euh, au stéréo. Rendu là, tu n'aurais plus need code d'Alvin Cook. Là. Mais là, tu, tu, tu brises comme ce que tu avais dans la double me mm -hmm. pour mettre des vétérans parce que tu voulais plus Aaron Rodgers qui est maintenant est plus là dans la team. Sola, est-ce <laughs> que les Jets vont aller chercher un nouveau QB Il est vu, vrai. J'ai vu un meme qui disait qu'ils vont aller chercher Carson Wentz. <laughs> À ce point, gars, Carson Wentz sera meilleur que, que Zach Wilson. Let's be honest là. Mais je sais que tu tu es un gros aideux, Carson Wentz. Mais tu sais très bien que au, entre Carson et puis Zach, yeah, je serais allé prendre mon boy Napoleon Dynamite, Nick Foles. Nick Foles. <laughs> Nick Foles, où il n'est pas retiré je, je Il n'est pas, pas il... retiré. <laughs> Avant de prendre Carson Wentz, j'aurais pris n'importe quel bomb off the street, mon gars. <rire> <rire> Yo, Conan Copernic a still dit aux no, Jets. Non, 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 sur lui. À ce point-là, il, il ferait mieux que Zach. Que non, il ferait pas mieux. C'est quand d'un fois, il a joué. C'est pas grave. Non, non. Pauline Kaepernick, c'est la même chose qu'un Zach Wilson, <laughs> mais non. il a juste plus de running upside. Tu T'aimes plus ses gros civils de dos. Je suis sûr qu'il est prêt à jouer. Non, il est pas prêt à jouer. Il est prêt à balle. Il est pas prêt à balle. Il fait quoi, le 7 ans qu'il de Kaepernick Moi, je suis les Jets. Mm -hmm. Ça fait un trade pour <laughs> bon, Zach. Il y a pas de choses qui va le veulent... plus. Non, non, non. Faut-tu que donner Daven Cook à 3-sort. Ouais. Daven Cook. Tu prends un type qui Wilson. est logiquement éliminé déjà maintenant. Minnesota Vikings. Waouh! C'est la que Cousin. <laughs> ça, c'est cousin... sujet pour rentrer dedans. On va rentrer, on va rentrer oh, tout de suite. Ta Cousine, ta Cousine, que, cousin... que Cousin va faire fonctionner l'offense. Ouais, il, il va est... faire rouler l'offense, mais ouais. il ne va pas faire gagner des games importants. Non, pas du tout. Regarde. Non, mais avec la défense qu'il a dans les Jets, il, il va gagner les games. C'est vrai. Parce que la défense, est sérieuse. Ouais, c'est sûr bad sérieux. shot, mais. Parce bon. que je pense que que Cousin est free agent euh, l'année prochaine. Ouais, de so, fond, après, après ça, tu le laisses partir parce, oh, parce que tu sais qu'Aaron Rodgers revient. C'est un rental. Rental. Euh, tu euh, tu, ouais, tu donnes quoi pour lui Tu donnes beaucoup. Je pense pas ouais, que les Vikings vont, vont prendre des peanuts. Aïe, ah, t'as investi dans ta tête, t'as dit on est là pour gagner le Super Bowl. Yo. Avec ça, Cousin, vous allez gagner le Lord Repeat. Moi, je suis sûr. <laughs> so, yo, alors, hey, pour, non pour non faire quelque il faut faire quelque chose. Tu vas chercher un autre QB avec ton Lord Repeat. Fax. Euh, bon, en parlant de QB, là, en trois semaines, je voulais savoir euh, quel était votre top 5 QB, présentement, en semaine 3. Là, je ne sais pas <laughs> si ai. <'allais>, je ne <laughs> pense pas que j'ai un top 5. C'est top, hein, parce me que tout le monde fait quelqu'un. Tout le monde fait Poupou. Tout le monde. J'en ai deux. Toi. OK, c'est ça. Il, est, il est 100% dans le top 3. Marrons. C'est White qui fait Poupou, -pou ce n'est pas Marrons. OK, je suis d'accord. Ouais. Ouais. Ouais, tu ne un... peux pas enlever de moi du top 5. Là, présentement, là, on, va aller, on va aller... dans vas Tu à Jared Goff Non. que tu dis... Oui, Jared Goff. oui. Je mais il joue, mettre, bien, je joue bien, non Il joue bien. J'aurais dit Gino Smith. Gino, Smith. Gino, Gino Ball. Il a avoué oui. un doodoo, first game. Après ça, il a bien apprécié Il a donné une game, cette game-là, il a bien joué. Okay. C'est smooth. Baker Ok, il n'est pas top 5, mais... Là, okay. en ce moment, on se met 3... Ok, Stafford joue bien. C'est pour ça, Stafford. Top 5 Non, mais qui joue bien live, c'est des noms comme ça. C'est pour ça que moi, je n'ai pas de top 5, parce que j'arrête à deux. Après toi, puis Patrick Mahomes, j'ai fini. Mais c'est triste. Je mettrais un spécial shout à... Jalen Hurts. Moi, je mettrais Jalen Hurts. Jalen Hurts joue pas bien, je joue pas... Je suis un Eagles fan, puis... Jalen Hurts joue pas bien. Jordan Love. Jordan Love. Jordan Love, il faut que je donne du love à Jordan non, Love. Non, on va venir sur lui plus tard, on va venir sur lui plus tard, euh, okay, mais bon. moi je dis qu'il y en a deux, puis si je dois donner un troisième, ça serait, ça serait vraiment Jared Goff. Gino Smith, mon cas, on veut Jared Goff, qu'est-ce que tu me dis? Uh, nah, Christ. Christ. Et... Jared Goff a joué tout le de Non. Non, on va venir sur lui encore. Hack Hack On va bien sur de, lui. Il vient de jouer une trash game contre les Cards. Bro. Con les cards. Les... Oh my god, tu veux mettre Dack dans un top 5 Hack. Un flou Oui. Pour être oh. un flou. Lui, c'est un flou. Ouais. Regarde, on va faire un top 5 euh, rendu. Yeah, week 8. Like week 8, mid-season. C'est qui ça Il part de Kenny Pickett à. Pickens. Pickens Pick Pick oh. Non, Austin. Oh, ça, c'est Austin, c'est pas Pickens. Ah, oh, Flag, c'est top. Il y a Flag Ah, mmh. uh, c'est chiant. Holding. Et aux prochaines question. Ouais. Là, on va aller avec les games euh, qu'on a regardées. Je vais. Là, -ce commence avec, euh, okay, je vais commencer ma game. Vikings vs. Chargers. La pire défense de la Ligue, les Chargers. ont réussi on à arrêter en red zone. Pas une fois. Mais deux fois. Les Vikings. Est-ce que ça veut dire que les Vikings sont maintenant. C'est un defensive penalty, puis ça a été declined. C'est TD Steelers. C'est-à-dire nice. euh, que les Vikings sont un non-contender pour la NFC cette année? They, ça va arrêter deux fois. Ils n'étaient jamais de Ils sont 0-3. Je sais, mais les Vikings l'année passée étaient deuxième en dessous des Eagles. Non, right? mais regarde, qu'est-ce qu qui se passe avec les Vikings l'année right. passée? Ah, c'est pas ça? Que les Vikings sont en pleine comme, régression. là comme, Ils mm -hmm. reviennent à la moyenne. L'année passée, ils gagnaient toutes les games de One Score Game. C'est la chance. là Toutes les games de One Score Game, ils ont toutes gagnées. Ouais. cette année, ils ont ils juste ont pas perdu des One Score Games. Là, ils sont 0-3 dans les One Score Games. Facts. So, c'est juste comme. Le karma qui se réajuste. C'est ça, c'est ça. Juste, le yin et le juste yang mmh. si Tu les gagnais l'année passée, cette année, tu vas tous les perdre. Pourquoi oh. Parce que les Vikings, ils vont toujours être dans, dans les games avec toutes les équipes. S'ils si jouent contre une bonne équipe, ils vont mieux jouer, souvent dans la game. Puis quand ils jouent contre une trash team, ils vont mal jouer parce qu'ils ne prennent pas au sérieux la, la, la trash team. Ils ouais. vont dans la game. Mais là, la chance n'est pas avec eux. So ils ne gagnent pas. Mais sincèrement, la défense des Vikings n'est pas nice. Comme non mais... ils, se, ils se font score dessus, comme si au moins la défense des Vikings pour les arrêter. Parce que l'offense des Vikings va tout le temps rouler. Ouais. Don't get me wrong, Que Cousin peut rouler son offense, il peut trouver ses wide. au quatrième corps. Quand faut qu il faut qu'il fasse <laughs> des dirty points. <laughs> mais la défense des Vikings, bro, elle a rien fait. Elle a arrêté personne depuis le début de l'année. Non mais Max. ils ont juste accordé 28 points aux Chargers. Là, so, bah pire. Bah, ils bah, ont quand pire. même accordé 405 mais, verges par la porte. Ouais, mais on sait qu'ils sont pas bons. Ils ont, ils ont accordé juste 28 points. Ils ont la team. Est-ce que. Les Chargers ont la meilleure, une des meilleures fins de la ligue T'as accordé 400 verges par la passe. Ouais. Le but, c'est d'empêcher de, de des points, pas empêcher des verges. Ok, je comprends. S'ils so, si n'ont pas fait. Ouais. Si, si, check, ils n'ont pas checké 70 points, là, comme les Denver ont pris. Là. Mmh. Ça, c'est une autre game. So, c'est ça. Ça, ça. Parce que ça, c'est un record. <laughs> ça. So, <laughs> ça. Ça aurait pu être un record. Regarde, il y a une nouvelle Ooh. pire defense de la ligue, ok? Ouais, ouais, ouais. ouais. Ben je ne Blanc... plus les Vikings. Sont... Ben, les Chargers, peut Chargers. tellement statistiquement, c'était les Chargers. Il y a eu beaucoup trop de blow cette cette semaine. Yo, mon gars. Aïe, ils n'ont jamais été contenders. de Vikings n'ont jamais été contenders. Non, cette saison, non. 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 Comme je, Vikings, je les avais mis... Je pense qu'en vidéo, on l'avait dit. Ils étaient définitivement 3e euh, Le dans leur division. Dans leur division? Ouais, oh, j'avais wow. dit en entre de Lyon yeah. et pas C'est vrai, c'est vrai, l'avais dit. Pas un mort, peut-être? Non. Non. voilà bah. S'ils si, sont capables de faire les mêmes choses qu'ils font euh, durant la saison qu'en game, peut-être qu'ils vont avoir un bon fin de saison, là, comme les quatre, mm -hmm. dernières, les quatre dernières games de la saison, ils vont bien jouer, mais ils vont déjà être éliminés rendu là-dessus. Bon, je pense qu'ils sont déjà éliminés. Ils sont mais quasiment, bayeux, je veux dire, 2-1, c'est pas, pas un gros. 2-1, ils sont 1 3 Non, eux sont 1 3 mais les autres sont 2-1. Puis je pense pas qu'ils vont run the table non plus. Là, les Lions et les Packers. Ils vont jouer contre les Lions, ils, ils les packers, vont, ouais. quand les lions vont perdre contre les Lions. Vont perdre, quand les vont perdre, ils, ils vont jouer contre les Vikings, <laughs> ouais. ils vont perdre contre les Vikings. Ils vont juste battre les Bears. Ils vont juste battre ouais. les Bears. Même là, c'est encore surprenant. All right. Non, Since... celle-là, ça ne serait pas surprenant. Non, les Bears, Bears pourraient le battre. Bah, les Bears sont 0-16 team, ah. 0-17 team. Field va juste courir ah. pour 150 T'es sur <laughs> <chourus>. respect. Ah, son, Ils <laughs> sont horribles wow. à ce point-là, bro. 0-17, wow. I'm saying it right now. Wow. 0-17, les Bears. Les Bears, oh, 0-17. Je ne mets pas un à côté de la nah, bro. Oh, Est-ce and... que tu as vu comment Justin Field lance la balle? <laughs> Excuse-moi. Est-ce que tu as vu où ce qu'il lance la balle? Est-ce que tu as vu ses reads? Il n'y a pas de weed. Ça, c'est yeah. quelque chose une question que j'avais en tête. Je trouve que maintenant qu'il y a plein de running QBs qui sont capables de, comme, escape le pressure, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas, oui, ils ne savent, pas ils savent ils même savent pas qu'il y a un blitz qui s'en vient. Mmh, genre. Non, c'est crazy. Les gars sont là, le, tu vois, le blitz va venir. Ils n'ont fait aucun ajustement. Ils font hot, le blitz arrive tout de suite. Ils font le bien, passe, puis ils sont saisis, ils sont comme que vous bloquez pas mais yo oh, bro t'as vu le, le gars qui allait blitz à chaud qui allait blitz j'ai pas besoin de bloc tu juste à lancer la balle au blitz en ouais, tout cas That's it. Ah, yo, justin field blow je pense déjà qu'ils ils sont trop sur euh, utiliser leur comme leur qualité physique mm -hmm. leur athlétisme puis ils arrêtent ils arrêtent comme ils enlèvent la partie mentale du game genre ouais. c'est fou comme pour que tu sois capable de 8 ce qu'il y a devant toi avant de faire euh, hot là comme tu peux oui, pas juste dire oh. Avant de penser à courir, il faut que tu, tu sois capable de read et Le gars se dit Ah, oh, si rien arrive, je veux juste le shake. C'est pas comme ça, ça... pas que ça, ça fonctionne. Non. Mm. Même euh... parler, à... parler un, <laughs> un petit peu plus fort. Là. Une vidéo de Tom Brady qui parlait à un gars. Ah, oh, c'est pour euh... C'est pour il disait ça? C'est bon, ça... Ça après le bail de Game uh, Colorado. C'était pour Shadow parce qu'il était... Euh il roulait en, en Rolls Royce puis là il disait il disait au lieu de comme de stun puis faire des comme des affaires sur pour les YouTube channels des oh, affaires de ouais. même vraiment que tu focus sur le game genre juste pour ça parce que les jeunes euh, ils sont vraiment ils ont des Twitch à, ils ont des Twitch accounts puis ils ont mm -hmm. ils ont des ils stream ils ont des comme ils ont des followers et tout ils ont leur brand qui ils déjà de l'argent ça, ça ils font déjà de l'argent ils sont pas nécessairement focus juste sur sur le game puis ils dire oh, faut que tu saches comme tu saches tout là, comme tu dois savoir les ta offense ta la défense de l'autre bord, ce que les autres joueurs font, mais maintenant les, les QB ils sont juste font ils font juste leur hot, puis c'est comme s'ils jouent au flag, absolument comme juste pour fun là, Aucun, aucune préparation, aucune préparation à Den, ouais, jouer yeah, à Madden, c'est vraiment ça, puis non, c'est triste, c'est vraiment triste, ça y a seulement un top 2 QB sur présentement. Hmm. Euh, bon, uh, Sin Packers, qui a écouté ces games-là C'est moi, c'est moi. Oh, mise, mise au God, <laughs> go ahead. Non, mais j'ai mis les questions. Okay. Est-ce que les Saints peuvent naviguer, naviguer les semaines qui s'en viennent si Corps doit manquer plusieurs games um, uh, uh, um, C'est quoi les games qui s'en uh, viennent C'est euh, pas important. Euh, euh, oh, oh, ouais. La question, c'est est-ce qu'ils peuvent naviguer tout court parce que... Moi, je pense que oui. Moi, je pense que Corps ne change pas euh, vraiment le corps d'une équipe, surtout les Saints. Je trouve que les Saints a tellement différents de tellement différents euh, euh, atouts. Hale, Winston peut connecter avec Thomas, avec Olavi. Avec, ils ont vraiment beaucoup de weapons les Saints. Puis défensivement, ils ont tous cam été caméra revient. Caméra, ils ont, oh my god. Ça, ils ont tous été solides. Le problème, on dit qu'il manquait un chemistry, suis. Il manquait quelque chose. quelque chose qui ne fonctionnait pas, mais ils ont tous été une équipe solide. On va se le dire. Donc ils vont pour moi ils vont pouvoir naviguer. Vas-y Frank. On, on va se le dire Niki. Derek Carr n'était jamais la réponse. La pour solution. Les la solution des Saints. Non. Je déteste Derek Carr. Je vais continuer à détester Derek Carr. Subpar QB. Trash. Washed. Moi, personnellement, avec Jameis Winston, je pense que vous pouvez aller 8-0 dans les 8 prochaines games. Ouh. Je ne sais pas que vous avez regardé aujourd'hui, mais. Je <laughs> ne pas regardé la game. Est-ce que vous n'avez pas, que... Justin... pas vu Jameis Winston rentrer dans la game La game est 17-0 et on a perdu On a perdu, perdu? Mais on a perdu C'est pas 17-0 euh, Oui. Oh, so, yeah, yeah, yeah. C'est pour ça que vous êtes en <laughs> de me dire que le patiné est capable de naviguer si Core n'est pas là pendant 2-3 secondes. 17 zéro, 17 les gars gagnaient 17-0. Les gars ont perdu. 17-0. Les sont gars ont perdu. perdu. Ils ont perdu. 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 Moi, je suis pas le plus... Attends, non, non, attends, on Encore une seconde. Ils ont perdu combien 18, 18 à 17. Ah, ils n'ont pas scoré. Oh, Mike. Okay, ouais. ok, je m'excuse. Je que Je m'excuse dit, ce que j'ai dit. Vas-y, tu m'abattes. Je ne suis pas le plus gros fan de corps À la base, moi, les, les Saints, c'est ma team, mais je pas grand expectation pour eux. Je pense que ça allait être un battle avec euh, Atlanta pour la division. Maintenant, je vois que Tampa Bay est là aussi. Euh, Peut-être cette mm -hmm. année, c'est nous le flou qui Division. L'année passée, c'était le NFC East. Mm -hmm. Maintenant, cette année, c'est le NFC South. Euh, parce qu'on a commencé avec. Notre... Il y a trois teams qui étaient tous un nous. Maintenant, ils sont 2-1. Deux, deux puis là, mm -hmm. il reste les Eagles contre les Tampa Bay. Mais je regarde ça au moins à Cor, je vois que la offense avait du juice Kor va faire des dumb des dumb plays mais au moins je voyais qu'on avait du juice on avait on a euh, Thomas qui faisait les short les short euh, les short catch, catch mm -hmm. la Olave, qui est rendu la, la le star receiver puis mm -hmm. t'as Shahid qui faisait les deep plays puis les, il fait comme les, les petits screens faire des, des des gros yards yeah. maintenant ils ont juste enlevé Shaw s'est blessé puis ils ont mis Jimmy Souston. puis offense était rendue à zéro comme voilà tout de coup, on a plein de pistes. Personne ne peut rien faire. Mais ce qui over est overthrow, underthrow, c'est important. Oh, J'ai ça, fait trois ans qu'il est dans la team. Il connaît déjà le playbook. Ça fait trois, quatre ans il, il est supposé être capable de au moins mettre un, trois points. OK, le Kika a raté trois points. Mais mmh. il est supposé être capable de faire plus que ça. Il est supposé être capable de garder le lead et yeah. puis gagner la game. Ça l'aurait aurait pu finir 20 à 18. Pas, grave. Pu, pas grave, ils ont perdu. Déjà, ça, ça me dit déjà que si si manque beaucoup de games. C'est terminé. C'est terminé. Non, ouais. damn, damn. Moi, je pense que vous pouvez run the table. Pour les huit pro, prochaines games. Est-ce qu'on est qu peut run the table avec Derek Carr? Non. Non. Ok, t'es bizarre. Derrick Carr? J'ai plus, plus faite avec Jameis. Cliquez, cliquez. Faites de où? Sinon, il serait le starter aussi. Je <laughs> <'en> comprends pas. <laughs> nah, ils n'ont non, ouais. pas investi tout cet argent-là pour pas faire jouer Derek Carr. Mais ça, je veux dire. Mais, de, 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 si, si, maintenant, c'est la bonne raison pour faire jouer yeah. Jameis Winston. Non. Jameis Winston a joué. Regarde, G Jimmy Souston était story 2, ils ont fait jouer Taysom Hill. Jimmy Souston était story 2, ils ont fait jouer Simeon. Ouais. Jimmy Sed était story 2, ils ont ouais. joué Darten. Wow. Ils sont allés chercher euh, oui. maintenant The Record. Puis là, tu vas me dire, Jimmy Souston va rendre le tableau. Tu joues les Bucks. Back, grave, Jimmy Souston est trash. <laughs> les Jags, les Bears. Yo, trash. Ok, là-bas QB. Là-bas QB. Là. Pas QB. Yeah. Bon. The Record va peut-être se rendre à 8-9 victoires, 10 victoires. Non, il peut se rendre à 10. Mais s'il manque des games. Oublie ça. C'est Nous, on est dans là. Mm. Après trois games, les Packers, peut-on dire que les Packers ont pris la bonne décision pour Jordan Love Ouais. Euh, ouais. Moi, je suis. Harry uh, Rogers, c'était une distraction. Okay. Maintenant, t'as New comme core. Yeah. C'est toutes des jeunes. Tu vois, les gars s'enjoient. Mm -hmm. euh, le fan base est content. Okay. Puis les gars, les, les gars compitent. C'est pas comme si Stock qui est trash. il joue, là. Mm -hmm. C'est pas rendu avec. Euh, pour le moment, je trouve que Young est trash, là, le, le QB des Panthers. Waouh, waouh. T'as pas un QB qui, qui se fait bouiller, là. Ouais. Donc, Mais euh... Jordan Love, c'est sa deux, troisième saison. J'ai vu qu'ils l'ont bench en plus aux Panthers euh, late in the game. C'est ça. Euh, Jordan Love, c'est sa quatrième ou cinquième saison. C'est ça. Il so, y a de l'expérience aussi. C'est ça. Oh, il est resté dans, sur le bench longtemps en arrière oh. de Rogers. Exactement. Il so, y a de l'expérience. C'est pour ça que pas un Bryson qui vient de rentrer dans la ligue, tu sais. Ouais. Est-ce que toi, tu penses qu'après trois games, Jordan Love, c'est la bonne décision? Yep, yeah, I think he's him. Ouais, bah, him. Je veux dire, j'ai pas un top 5 QB, mais. Him je Him pour, pour la team. Pour Yeah, I get it. He's him pour la team. Comme il fait ses things. Comme yeah. t'as pas besoin d'aller draft un QB. Donc, exact. Là. Yeah, parfait. Je donne-y un petit peu de peace, puis je donne-y un autre wide, peut-être un O-line. On ouais, est en business. Il y a des okay. pistes. Parce que tu regardes, aujourd'hui, Avengers, il est pas là. Son mm. left tackle Bakhtiari n'était pas Lynch, là, mm. aussi. son receveur numéro 1, supposément Watson, n'était pas là. Oh. Les gars jouent avec ce qu'il y a sur le terrain puis il, il ça fonctionne. Il, il, fait, il fait des stats, man. ça fonctionne. Yeah. Ravens vs Colts. Tu as regardé la game? Bon, euh, regardé. Euh, moi J'ai regardé. J'avais un bête euh, crève-cœur qui m'a fait regarder la Je game. Sais pas. Après, avoir <laughs> mis, après avoir mis autant de gadgets pour Lamar durant la off-season, est-ce que le manque de passing attempt est dû au lac de chemistry et blessure ou c'est juste la faute de Lamar et le aussi? Euh, tu sais quoi, Spenty. Est-ce que c'est le manque de chemistry ou c'est la faute de Lamar et le aussi? De cette dégueulasse performance que tu as regardée à la fin. <laughs> yeah. Sincèrement, j'ai pas écouté toute la game, mm -hmm. mais à part Z Flowers et Andrews, il mm n'y -hmm. a pas de receiving threat. Non. Ça, so, je vois pourquoi Lamour doit courir 100 verges par game pour que ce soit au moins minimalement une bonne offense. Il n'y a pas un running back, je crois, pas. pas Moi, je... Non, c'est tu es blessé dans la game. <laughs> Ils utilisaient le combo de Melvin Gordon et Ken... Kenyon Drake. Ouais. ça ne fonctionnait pas. Non, ça fonctionne. Les gars couraient. Pas non, ça les, les gars vont toujours courir, mais comme... Quand c'est rendu que ton QB a genre 15 rushing attempts par game. Ouais, il y a un problème. Moi, je trouve que Lamour a ouais, genre dans cette game il a régressé euh, parce que les courses t'étais pas supposé devoir courir autant mon euh, tu es supposé contrôler la game ouais comme contrôler la game assez easy mais moi je mets la faute sur le, le aussi et, et la mort dans le fond ils veulent euh, trop faire courir les gars font oui. juste des short pass comme ils pensent que z va comme ils font un pass à quatre verges puis ils pensent que z Flower yeah. doit break il le gap puis faire tout le reste de la job comme mm. euh, tu dois me lancer open tu dois me skim open euh, les gars prennent pas de deep shot non non et encore une fois, les calls sont arrivés, ils ont blitz. Puis, la moi était saisi que comme oh, le blitz arrivait. L'autre équipe blitz. Au moins, tu sais que c'est des one-on-one -on -one veut Tu dois Exactement. au moins faire un deep shot pour montrer que yo, relax ton Ça allait prendre, là Ouais, exact. Les gens fait ça, ils font pas de screen pass. Euh, moi, je trouve que là aussi, je sais pas qu ce qu'il est venu faire, là. Euh, on dirait que ces jeux, c'est vraiment juste des, des, des screens de, du receveur. Il fait pas de screen running back, c'est des slants. Des, des short passes puis même Andrews il utilise mal parce que l'autre aussi au moins il faisait des play action de, en high formation pour yeah. que il sors Andrews ouais j'ai regardé ça c'était juste dégueulasse à voir ouais. comme, comme game euh... le play calling était ouais comme Minshew avait l'air plus impressionnant c'était tough <laughs> pour Minshew aussi mais ça avait l'air plus impressionnant que, que Lamar Jackson moi je pense que c'est la faute de Lamar aussi moi je pense que années avance plus que Lamar malheureusement il avait un passé il essayait de prouver qu'il avait un bras qu'il avait réussi à faire en passant l'année passée. Ouais, l'année passée, c'était mieux. Ouais. Là, cette année, I guess qu'il y a eu son contrat. Il, il, il veut plus prouver qu'il peut lancer deep. Il veut plus prouver que c'est un QB. Mais là, il apprend un nouveau scheme. Ouais. Mais c'est style dégueulasse. Ça, c'est la photo aussi. <laughs> l'année passée, les affaires allaient bien. Ouais. aurais dû t'adapter en tant que aussi. T'arrives quelque part dans un nouvel job doit aussi savoir avec qui tu fais affaire. Ouais. Là, tu non, dis, bon, tu veux faire affaire avec le ancien Lamar où tu, le gars était fresh out of NCAA, le gars pouvait jouer second linebacker. Mais il essaye de <laughs> jouer un petit peu comme les Dolphins, comme Tyreek Hill, catch un slant, break un tackle, puis Même Tyreek Hill, même quand il y a un blitz, toi, c'est que Tyreek est dans cette zone là, va lancer deep. Exact. Comprends, mais Lamar fait pas ça. Puis Lamar a prouvé un passé qu'il avait un bras. Donc, moi, je blâme beaucoup le moins aussi. Plus le aussi, mais la main aussi de ne pas avoir sont aussi pour dire Yo, guys, comme voici le scheme, il faut qu'on essaye deep. Choix, ça revient aux au QB euh, de cette génération-là, qu'on dirait que en disant, les gars, ils ne sont pas des vrais QB. On dirait qu'ils ne contrôlent pas le jeu comme les QB qu'on a connu dans, ouais. dans notre époque. Moi, j'étais vraiment déçu. Euh, mmh. Surtout que j'avais un bet. J'avais besoin, la la, besoin que mort genre. Lance quelques verges de plus, puis c'était juste dégueulasse à voir, là, mais euh, moi, je, moi, je blâme vraiment le... Comme l'avant aussi, aussi, mais où, je blâme vraiment l'autre aussi. L'autre aussi, c'est plus sa faute à lui. Mais un vrai QB comme, les gars, je répète, le gars Tom Brady, Peyton Manning, Drew Breeze, et, des, et l. Man, des gars qui aussi qui géraient le terrain, ah ouais. ils auraient fait, non, il aurait dit au oui, gars, non, j'aurais dit, je colle ça, puis ça finit là. Parce que les gars, ils font du tape. Les gars, il faut pas être en stream en soirée on serait en train de jouer à M2K avec, avec AD. Juste <laughs> un jeu où tu fais que l'Amour doit juste fallout, mais après ça, lancer un deep shot. Ils ont pas essayé genre comme... Nice! Ah, hey. voilà. Vas-y Kaza. <coughs> Pardon. Je me rappelle, à l'époque, je sais, il y avait des coups. Pop oh, play. Ah, ah non, l'Amour fait pas ça. Prends celui-là. Prends Drainé. Prendre la décision toi-même ou il faut que tu prouves que tu es capable de faire. Ça dépend du coach, mais je pense que euh, si la main fait adult, est faite du No Adult, tu sais que dans le No il, il y a une option de courir. Son No Adult n'a pas beaucoup de plays là. Il y a, a, a peut-être 3-4 plays. Euh, il ne peut pas faire tout le terrain en No Adult, c'est impossible. Ouais. Ouais. Bon. Euh, rookie quarterback, si j'ai choix, mm. est-ce que c'est le meilleur. Rookie QB cette année. Donc, avant, on avait Bryce Young cette année. On avait Richard Chen des Colts. On avait CJ Schwartz. et toutes d'autres personnes? Il y en avait un autre. qui s'appelle qui a dans le draft all the way. J'ai oublié son nom. Levi. C'est quelque chose de Levi, il me semble. Will Levi? On n'a pas vu de son nom. Il a disparu, mais il joue pas. Bon. Oui, out of the three. Oui, c'est le meilleur. Bryson ne fait rien. Mais en même temps, est-ce que je... Ben... C'est trois games. Tu donner une opinion là-dessus? Ouais, c'est difficile à dire. Non, mais qui, ah. qui est plus impressionnant live? CJ Stroud, hands Stroud. down. Moi, je trouve que Bryce Young est vraiment euh, underwhelming. Il est vraiment comme. Subpar. Ouais, moi, je pensais pas qu'il était boosté. Je trouvais qu'il était, qu était trop petit à la base. Exact. Euh, il n'est pas rapide comme on va dire en Calumet Non. Euh, Est-ce qu'il peut encore s'améliorer? Oui, mais il n'y a pas vraiment de weapon à. Peine à, 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 à... Penteuse. Il joue à Alabama. Alabama, ouais. Puis tout le monde sait que les QB qui sortent d'Alabama ne sont pas vraiment wow. Ils ont juste um, 5 wide Hall of ouais Ils ont des wide boostés, ils ont bono bon line ils ont des bon back. Puis leur QB est so-so. So, moi, Young, je trouve que pour le moment, il est vraiment slow. Genre. Il voit le joueur, mais il prend du temps à le lancer. Um, il, est lent, il est slow à react. Stroud, on dirait qu'il fait juste les fly. Um, et je pense les exemple pour une équipe que je pensais qu'il n'avait pas de wapen genre. Yo! Et, 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 ils font des points, ils font des points, hey. ils font des verges. Le running game de, est solide aussi. Et aujourd'hui, ils ont, ils ont classé les, les Jaguars. <laughs> Le running game mm. était solide aujourd'hui, yeah. là. Damien Pierce était nice depuis l'année passée, là. Oui. Mais là, cette année il joue vraiment euh, Mon bien. Mon boy, c'est moi, c'est Nico Collins, là. Nico mm. Collins aussi. Nico Collins. c'est Tank. Tank Dell, Tank Dell. Il est nice aussi. Ah. Et tout ça, c'est grâce à ces choix. Les gars le voient ils connectent. Pas comme Justin Fields qui a des wide open ou back, euh, mm. wide, puis ils les voient pas. <laughs> comme Zach Wilson qui a son Yo. MVP. Bon, reste, bon, si pas. tu veux un top 5 à l'envers, là c'est qui les, top, les pires QB Et euh, Justin Fields est définitivement là-dedans. Le dernier. <laughs> définitivement euh, dernier. Le Yo, dernier. C'est tough là. Mais c'est tough. Entre Zach Wilson et Justin Fields, c'est Les deux sont non, en deuxième. Là, Justin Fields est way worse. Non, dis pas non, ça. Non, je pense que Zach Wilson est pire. Parce F que, que Justin Fields veut F courir. Ouais. C'est ça que j'allais dire. <laughs> Zach peut pas courir. Zach veut vraiment pas courir. Le like gars va trébucher. Dead, like il va trébucher <laughs> sur ses pieds <laughs> quand il va courir. Comme Justin Ville, il a montré l'année passée, si on fait une offense où je cours comme beaucoup, là il va comme pour s'enverger par game easy, on va gagner, on va compiter. Mais si s'il si essaie d'être quarterback, non, ça ne bouge pas. C'est ça. ça. vs Dolphins. Wouh, La hmm. game a fini 70 à 20. Beat down. <laughs> La seule chose qu'il faut parler de cette game. C'est toutes les célébrations des Dolphins étaient insane. J'ai pas vu tout je, je, je sais that hairy kill. Il <laughs> y dans, dans, dans les estrades. il ah, y, y en a un qui ont hit le whole team gritty mon gars. Pour vrai Ah, c'est toutes oh. toute était nice. célébrations Les gars sont sortis tout le bac de célébration Boom. comme 70 points, ils ont fait il y a deux running malade, back, les deux running backs ont fait chacun quatre touchdowns. C'est malade là. Insane. So, Huit touchdowns à deux. C'est pas fou Est-ce que qui faut blâmer dans cette, cette défaite Trent Payton ou bien l'équipe en général et quelle serait la conséquence de cette défaite là euh toutes les gosses font release fire sale on tue tout le monde pis no like. quand je dis toutes les gosses font release je parle de head coach assistant coach GM toutes l'équipe se font release refresh Sean Payton qui a dit au coach de Hackett le pire coaching job yo Hackett a pas comme ça bro euh 70 points comme vraiment je trouve que ça a commencé Wado joue pas tu dis Wado joue pas ok on va il y a Tarik on sait que c'est lui faire avec Tarik au moins on va essayer de sauver Tarik puis le forcer à lancer à d'autres parce que tu vois avec check, il y avait un game plan c'était pas facile pour Tarik Tarik va faire ses stats mais tu le faire sa top c'est Raheem Monster puis Ashan qui t'ont tué non non mais dans quel monde la façon dont la game a commencé Tarik a fait le premier TD ouais dès le début c'est quand 51 vers donc c'est comme c'est déjà fini là c'est déjà fini Um, le gars tu dois veut absolument, tu l'as laissé partir. Le, le coach, là le défensif coach, c'est Vic Vendreau, parce ce qu'il paraît, c'est un bon coach. Clairement, les gars ils sont pas capables de faire son scheme. Parce que je l'ai déjà vu avec des bonnes défenses. Non, c'est vrai. Je te crois, mais comme... Cette année, euh... cette défense-là, ils sont pas capables de faire son scheme. 70 points, mon gars. Non, ça, c'est à foutre dehors des c'est tout le monde. Early retire Vas-y, Kaza. De points qui a été scoré par une team de la NFL. Non, non ça non, aurait pu être. Là, non, le plus plus de 72. Depuis quelle année 72. 1960. Ouais. Depuis 1966, il n'y en a jamais ouais. dépassé le cap 70 points. Ouais. Depuis 72, là record. Ouais. Ça aurait dû faire quelques points. Mm. Puis, tu avais demandé ce qu'est la conséquence. Je pense que les gars ne méritent pas leur. leur... Ou. Ils doivent payer leur flight home. Le game dit? Faut qu'ils payent leur flight back home. Moi je te dis tout le monde release, 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 release. À part les gars qui ont marqué les 20 points. Ça repart sur tout. Les points de le boss, mon gars. Les deux gars qui ont marqué les td, vous pouvez rester. Le reste à la maison. We ride, we ride to the garbage. Même Russell Wilson trash. Russell Wilson est fini là. Yo je peux même pas dire a été trash tellement. de trash. Et quand mets en fait pété que quand je ne même pas dire c'est sa faute, c'est comme, yo, là. en fait, La défaite, ça fait quoi, genre? La défaite, ça n'a rien fait, mais l'offense, ça s'est fait intercepter, c'est fait fumble, c'est fait sack, c'est fait three and out, four and out, real quick. Les Broncos sont en mode, ils devraient aller pour le first pick. Les Broncos devraient essayer de refiler sur Wilson aux Jets. Tu dis que ça fonctionnerait? Ils devraient essayer. Euh, Russell to the Jets, okay. Russell to the Jets. Faites juste, fait juste vague, vague sur le reste comme... Euh, euh, ouais, ouais, ouais. Euh, vague sur la saison, retournez, allez chercher un QB puis recommencez à de bottom parce que. Uh, no lie, ça va être une compétition entre les Jets, les Bears puis les Bay. Broncos pour être la pire équipe de la Ligue. Non, je pense que c'est définitivement les Bears. Vikings C'est définitivement les Bears, mais c'est une compétition. Les Vikings espèrent avoir une victoire contre les Bears, selon les gars. Moi, je dis les Vikings aussi. Non mais, pour, pour les Jets, ils ont une... on peut leur donner une passe parce que leur QB s'est blessé, mais les, les, les Blancos... Les Broncos, Les Blancos n'ont aucune excuse. Aucune excuse. Non, aucune excuse. Les Vikings n'est pas une mauvaise football team. C'est juste que leur Ying, l'année passée, était too high. Ils ont gagné là, trop de games qu'ils qu ne devaient bien. pas gagner. Que cette année, leur Yang est en train de come up, mm -hmm. comme down, down. Puis, ils perdent toutes leurs games qui sont tête. Au moins, ils 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 les, les Blancos ont réussi à être en train de gagner par 21 points contre... Euh, Washington commenceuse pour perdre la game, puis next game ils arrivent ils prennent 70 points. Ça c'est deux comme catastrophiques games mm. back to back là comme. Terminé, guys. Non c'est pas turn. Ouais ouais c'est ça il y a un problème c'est pas mm. juste euh, c'était pas à quête finalement. Mm. Non. Le problème c'était dans l'organisation je sais pas c'est qui bah, je sais pas c'est quoi mais. Moi, euh... Ça est mon complet. Russell Wilson. Mm. Est-ce que les Dolphins est la meilleure euh, offense? Euh oui oui je oui. pense que oui uh, live c'est la ouais, la, la offense cool. speed uh, 4-3 everywhere euh, euh, c'est euh, c'est fou uh, pack meet yeah, mais yeah, les yeah. chargers oui ah, ils ont battu les chargers dans le ils ont oui. eu un match l'un contre l'autre je suis d'accord je suis d'accord oui, mais, mais les chargers sont proches ah. je, eux ont beaucoup de size Ouais, mais les les, les... vu que Miami les a battus dans un shootout, ils ont ouais. déjà dit vous êtes deuxième. Pax. Euh... Ouais, c'est la meilleure la offensive. By the way, vu qu'on parle des Chargers, real quick, Keenan Allen, il est méchant cette année. Oh, ouais, il est méchant. Ouais, jusqu'à temps qu'il se blesse, comme d'habitude. Jusqu'à temps qu'il se blesse. Ouais. <laughs> cette team-là, c'est toujours ça. Ils ont des weapons, Mike Williams, ils ont Keenan Allen qui Laissez. fait 9 catch, 9 plays, puis à un moment donné, pap, tout le monde se blesse. Injuries, ouais. puis William Jarre. Puis pour vous devrez, je ne sais pas que je souhaite d'injures au gars, mais ça arrive. Quand ça arrive tout le temps c'est juste ça fait partie de son DNA. Oh, abonne shout out à Eddie Basket. <laughs> so, Cowboys versus Cardinals mm. est-ce que est les obsède, Cowboys bro. sont des problèmes après avoir perdu Diggs et perdu vs Arizona ok je vais aller en premier euh, moi pour moi les Cowboys sont une fraude ok yeah. so, même leurs deux victoires le blowhard de 40-0 contre une équipe de Giants qui s'était trash bizarre quoi c'est ah après oh, mon cher, mon chers les <laughs> Jets les Jets comme à, à Arizona aussi sous moi comme, à, comme à, bref leurs deux victoires et la défaite contre me fait prouver que les cowboys sont encore des fraudes et Dak <laughs> ne va rien changer et Diggs digs que l'année passée s'avait calmé avec prendre euh, Ben catch pour mm -hmm. aller pour des pics s'avait calmé là-dessus ouais je veux bien cette année je veux hein. bien cette année Malheureusement, euh, oui, ça va avoir un impact défensivement parce que c'est lui qui était placé sur les, le meilleur euh, uh, wide, usually, en de... de temps en temps. Non, après, non, il, non il joue son, ils son bord parce qu'ils ont Gilmore de l'autre côté. Il peut vraiment lock dans les shut bancs. down l'autre côté. Ah, ouais. ouais. so, je rien dit. So, ben, bref, oui, ça va faire une petite perte, mais plus que ça, non, parce que les Cowboys sont reconnus pour des chokeurs. Et puis, il faut plus que ça. Il faut, faut un changement mm. complet des Cowboys. Moi, je trouve que ce pas normal que... tu perdu Contre Arizona, ah. même si Dick n'est pas là, même si tes trois starters, trois des cinq starters online n'étaient pas là, c'est pas normal. C'est normal, ils sont pas bons. Tu peux pas perdre contre Non, contre... parce que la défense, hein. la défense, il fait walk over là. Pas des yeah. noces du bah Dobbs, les... Dobbs, mon cher. Yo, quand eux couraient sur eux comme si Aussi, rien les était... petits. Ah, la défense, je pense peut-être qu'ils pensaient que c'était trop nice parce qu'ils ont accordé quoi 3 points, euh, 7 points, genre en deux games. Euh... C'est fou qu'ils ont perdu contre Arizona. C'est fou qu'ils se sont fait step yo, ce, ouais, ouais. Contre, contre Arizona. Où était Mika? Le, où était leur defense? Ah. Leur stud defense qui a fait ah, son cheboule parce qu'ils ont perdu un des, des, des cornerstones de leur team. Mm. Mais je pense pas que c'est une excuse pour perdre cette game. Non. Pas du tout. Arizona. Ça les met dans le fraud watch. Ça, ils, faut, faut... ils sont dans le <laughs> fraud watch. Ils need to get out of it. Les Vikings ah, sont, ça, dans ils sont fraud jamais sortis de en fraud fait, watch. Non. Le... non. Non, ils ne sont pas dedans. L'année passée, ils étaient dedans. Viking, oui. pas cette année. Non, non pas... là, c'est des fraudes. Là, c'est Ben Non, non, là, ils ne sont pas des fraudes. Juste... Ils sont vraiment eux-mêmes. Ils sont vraiment eux-mêmes. Ils sont Trash. <laughs> Il n'y a qu'à ça. J'ai aucune explication pour les cowboys cette semaine. À chaque. Je pense qu'il faut que je parle au NU. Fax. Le NU va jamais changer. Bon, le ONU va changer éventuellement. Non, c'est lui qui a va... plus de cowboys dans tous les sports. Pourquoi ils partent Non, non, non ouais bon, pas ce jeu de. Je crois qu'il y aura 30. Bref. Ah, ouais, ouais. Son fils est déjà dans l'organisation, ça n'a pas changé. Mais je pense. Ouais, c'est déjà lui qui fait les, des exécutifs des jeunes pour oh, yeah? l'équipe. Ah, c'est bon. juste, ça va rester comme pareil. Là, bon, si c'est produit. Le... Bon. Ouais, mmh. au pire. Tu as une autre question Oui. Euh, Est-ce que Dak nous montre qu'il ne peut pas win quand la défense n'est pas trop up, like, up to it quand, quand sa défense est pas up. Quand to... sa défense est pas up. To quand it. sa défense, il donne pas 14 points d'avance. Mmh, voilà. pick, les recovery. Non, c'est vrai, il a raison. Ouais, c'est vrai. Et puis, non, mais, guys, Dak nous a montré. fait combien qu'il joue au football 5 ans, 6 ans qu'il joue au football Plus que ça. Ça fait toutes ces années que Dak a joué. Il nous a montré qu'il n'était pas capable de lire son équipe. En, au playoff, ben, lit son équipe jusque en finale, avant c'était Zeke quand le running game était on, ouais, c'était pas Dak, là on a dit ok c'est Dak, Dak l'a jamais fait, puis on continue à croire en Dak, il faut ouais. arrêter. Maintenant c'est la défense qui doit lead, Mais, Mais, Ça ne marchera pas. Nous, nous on ne croit pas en Dak personnellement. Non. Zéro, il est trash. Non il est trash. Il est, lui c'est un autre Derek Carr, c'est un autre Carson Wentz, c'est un autre Andy Dalton, trash. Trash. Bon Andy Dalton lui ouais, juste... Yes, tu, peux le mettre dans le... tu peux le mettre dans la même discussion il a fait quoi mais quand il était assassinati alors il faisait ses affaires comme, je dis pas que c'était un booster QB mais genre on peut dire aussi que Dak fait ses affaires il se rend au playoff il gagne il... pas non, non mais il y il y lui il a beaucoup plus d'expectations que, que Andy Dalton oui ok je suis d'accord parce que cowboys le, 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 le dynastie de cowboys est trop gros c'est pour ça non mais comme Andy Dalton jamais il a, il a été payé comme uh, top Dak. QB il ouais. comme s'il si était dans le top 5 QB alright je le donne c'est Dak Prescott, les gens essayaient de le mettre là-dedans. Là. Tout le monde qui joue au Cowboys, on se met là-dedans. Tout le monde qui joue au foot, là, c'est. J'ai dit Zig, il y a eu une bonne année. Après, on parlait de lui, comme c'était mm. un des meilleurs running back de tous les temps. Comme guys, là. Ça, c'est les Cowboys effect. Les Cowboys e <laughs> T'es right. un ego fan, es, c'est normal que t'aimes pas les Cowboys. Non, 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 moi, j'aime pas leur, leur manière de faire les choses comme Diggs. Diggs, best corner, le gars a pris, il était numéro dans Verge. Il numéro a fait 15 a pic, 4... mais il s'est fait faire 15 TD. Mon cher. Ouais, très Non, c'est inacceptable de de perdre ce match. Euh, je je parlais à mon cousin puis il avait dit, <laughs> il croit plus que les Cowboys vont gagner des games ou comme faire quelque chose de comme aller loin si jouer avec Cooper Rush le backup QB. Wow. <laughs> que si euh, c'est Dak parce qu'il sait que si c'est Dak il s'attend jusqu'à Dak choke, mm -hmm. mais au moins quand c'est le backup QB il y a pas d'expectation pour le backup QB puis il risque de mieux perform performer que que Dak Prescott. Sur le coup, j'ai dit non, t'abuses. D'ailleurs, comme c'est pas la même situation, on n'a pas, pas, pas vu Cooper Rush en playoff. Mais quand tu perds contre Arizona, bro, je, Là, je, peux te, je peux même pas te défendre. Bro. Là, il y a un problème. Moi, j'aurais dit Cooper, Cooper Rush, prochaine pratique, tu as lancé des balles avec le first team. dis le pire, c'est que je sais qu'Arizona essaie de perdre, en fait. comme, ouais. Ils essaient vraiment de perdre. Ils veulent pas gagner des games. La semaine passée, ils gagnaient contre Giants, ils ont laissé Giants revenir. Et tu parles, ils ils voilà. il veulent il il veut, il veut, il veut le QB là. Quand je pense pas qu'ils veulent garder nécessairement Kyler Murray, je pense qu'ils vont essayer de le trade. Bon, Ou ça c'est un autre bail pour les Jets. C est... C est well, Murray? Quand il C'est Kylo Murray? Ils ont l'option entre Russell Wilson, <laughs> Kyler co Murray. Puis c'est qui le troisième? Il <laughs> y a quelques-unes. Qu T'inquiète, on va trouver plein d'option. C'est juste que ça risque de coûter cher. Seulement, les, les, les Arizona Arizona vont essayer le... Les fleece. Voilà. 100%. Absolument. Moi, je les fleece. Je les fleece uh, wide one ou corner one. Mais moi, je suis Arizona... Je... je suis pas mal. Moi, je pense qu'ils essaient d'être dans le top du lot lui encore une mm. fois pour avoir... Peut-être qu'ils vont pas draft avec QB mais ils veulent définitivement être dans le top pick. Parce qu'après ça, ils peuvent peut-être trade le first pick pour fleece une, une équipe yeah. qui a yeah. besoin de QB Quel game aujourd'hui vous a surpris le plus moi, c'était bien mis contre Denver là, comme 70-20, guys. Ouais. Désolé, là, c'est du jamais vu, là. Une la... 10. Ben, yeah. la game des Vikings et Chargers était nice. Oui, tout Ça m'a pas surpris. Ça m'a pas surpris. Moi, je m'attendais à un. Blow. Euh... Ouais, j'étais surpris du 70-20. Mais cher. quand j'ai vu les Cobo Esper, c'est encore plus. Pour de rêve, je ouais, pense que c'est elle qui m'a saisi le plus. Yeah, 70-20. 70-20. Chose... As dit que toute l'équipe doit se faire nettoyer demain là. Ouais ben je sais pas pourquoi. Je m'attendais tellement parce que les Cowboys perdent. Comme j'ai vu les j'ai vu les, euh... je que Miami. J'ai vu Arizona <laughs> commencer la game. Je me suis Cowboys <laughs> va t revenir? Cowboys, jamais... Cowboys a jamais jamais eu le lead. Cowboys sont frauduleux du le 2000. 70-20 c'est comme s'ils auraient gagné 50-0. Tu t'attendais plus que les Dolphins gagnent 50-0 qu'on les Broncos? Ou quel écart je m'attendais pas ce que les Dolphins fassent 70 à 20 mais le moment que la game a commencé j'avais vu comment ça allait tu vois. après genre au premier quart c'était ouais. déjà comme 21 yeah, 21 20, 7 là. Ouais, tu vois ouais, ouais. comment ça se passait j'étais comme c'est dead ouais. comme ils vont sortir pété so, j'avais déjà vague sur la game mais les, un, un top call. les Cowboys genre ils vont revenir là ils sont revenus en est c'était je pense c'était 13 13 3 c'est devenu 13 10 j'ai ouais. vraiment kiffé okay. ils vont gagner puis tout de coup, je vois, ils sont juste jamais revenus. Donc, les Cowboys, pour moi, c'est l'équipe qui m'a le plus surpris aujourd'hui. Mais eh ben, regarde, je maintenant, c'est tout ce qui arrive tout le temps. Ça, les Cowboys, les Cowbo <laughs> les Cowboys <laughs> puis euh, même les Rebels <laughs> <ils> m'ont <laughs> saisi de comment ils ont joué. Je pas que je m'en attendais parce que j'avais bête que les, les Indianapolis allaient rester dans la game, mais la façon qu'ils ont perdu. Oh. Justin Tucker a raté un kick. Gagner la game. C'est fou. là ça avait... Il a raté un P.E.T. la semaine passée puis il a raté un kick cette année. Ah, c'est très, très rare ça très aussi. Rare, mais il y a beaucoup de kickers qui qui présentement. Non, ça... mais Justin super... Tucker, c'est ouais. oh, le fameux kicker. dis-toi, le coach a eu peut-être une possibilité de le faire essayer un 65 verges. Il l'avait fait l'année passée quand, avec les Lions Il a dit non. Même le coach, il a dit non. T'as raté un 61. ça T'as pas l'avoir. Déjà, t'as raté un 61 comme si c'était donné. Non, mais il il avait kické je tue le Milo c'était juste il moquait un peu de power moi je pense qu'il serait, serait calibré là je pense j'avais besoin de ça peut-être dans cette game là il pensait pas qu'on allait avoir besoin de son pied pour gagner la game tu comprends il était comme Les Colts c'est les Colts alright Champions League avant qu'on passe au Champions League on dirait que vous avez oublié mes bills

les Bills. Ok, les Chiefs, vous le en faites les Chiefs. Okay. C'est tout. Les Chiefs, vous faites les Chiefs. Bon, c'est tout. Bills les Bills, vous faites les Bills. C'est bon. bon right. C'est tout. Je, je, je voulais juste te rappeler. Non. Okay, on n'a qui... pas encore vu les Ghosts parce qu'ils jouent demain. Les ceux qui jouent contre qui les Bills Ils jouent contre Dolphins, je pense. Bon, alors on va voir si on Vraiment Bills. On pense qu'il y a des Bills. Bon, on va voir. un contest. Un contest. Ok, c'est ça. Ils vont, ils vont se faire ce match. Ouais, on va faire une prédiction après. Les gars, je crois qu'ils ont joué les Weeders. Tu vois la prédiction là Oui, pas une prédiction live. Bills contre... Bills. Contre Dolphins. Bills. Dolphins. Dolphins mon ah, okay. gars Ah bah ça va être très Les Dolphins ont failli gagner contre vous avec le... C'est quoi le nom du QB C'était le QB En playoff. <laughs> <laughs> yo vax <back laughs> sur les Bills bro Bills. c'est the mud. Casa. Track meat Bills oui Miami. amis. Ben oui. C'est quoi C'est moi les gens fous qui pensent que c'est les... Bills qui vont gagner. Uh, Ravens contre Browns. Division, division game. Ah yo j'ai je suis rachat avec les Ravens, so fuck les bounds. Browns. Bah, fuck les Ravens. By the way, les, 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 les Eagles jouent demain. Eagles ou Bucks? Eagles, oh yo bro, yo Bucks et est... Baker Mayfield. Eagles ou Bucks? Hot takes, hot takes, hot takes yeah, pour Eagles. moi. Ton boy Iceman Baker Mayfield. Ha... Mon boy non, le boy Eric ça. Mon <laughs> boy ça. Moi j'ai un hot take. Il y a toujours une team par rapport qui commence 3-0. Dis-le, dis-le. Dis-le, dis-le. Dis-le. Oh Buccaneers. Buccaneers. Oh Buccaneers. Upset. Avec, merci, un gars qui, qui est But sérieux. Balcony est obsède. On a besoin d'une équipe par rapport qui commence 3-0. Puis à date, il y aura juste les box Parce que c'est possible. OK, puis dernier game que je voulais en parler. Patriot contre Cowboys. Toi qui crois tant dans les Cowboys. Mm. Patriotes-Cowboys. À, à, à Gillette? Est-ce que c'est à Gillette? C'est à AT&T. Patriotes Patriot, ont gagné le game. Face aux Cowboys. Batman. Ouais, je pense. Euh, bon. la façon, parce que Bill Belichick Live, il est dans son bague pour ce qu'il me contre ouais. chaque équipe. J'ai vu ce qu'il a essayé de faire contre les Dolphins. C'est juste que les Dolphins étaient juste comme vraiment disciplinés dans ce qu'ils voulaient faire aussi. C'était un clash of style. Puis. Je pense que les Patriots vont sortir quelque chose pour les Cowboys. Bon, je ne veux pas overreact sur le fait qu'ils ont perdu contre Arizona. Mais. Si la, Moi, si si Cowboys, la défense ne vient pas jouer pour Dak Prescott, ça va aller mal. Ça va aller mal. So. Je vais aller avec les Patriots. À cause que les Patriots n'ont pas vraiment de QB, eux aussi. La défensive de, des Cowboys, le front 7 va le déranger, le QB. Ce serait la seule raison pourquoi j'irai avec. Ah, mais c'est Revenge Troy de, de Zygmunt. Mmh. En plus. Mais mmh. à cause que le Cowboys est je vais aller avec Patriots. Revenge game à ATT. Je vais les Patriots pas tirer tout, ouais. ça ne rien des Cowboys. Par est-ce que les Cowboys ça sont... Je suis dead. Max. Ok, that was it pour la NFL, gros sujet. Maintenant, on va terminer avec la Champions League. Spenty, take it over. Euh, on va parler quick quick de la Champions League. Il y a eu euh, quelques bonnes, ben il y a eu plusieurs bonnes games. Il y a eu des blowouts, Barcelone qui a blowout euh, ant, ant, ant -ant -ant, ant, Antwerp Antwerp, Antwerp. Antwerp. Uh, il y eu, ouais. Man City qui a struggled first half contre uh, Popraga. C'était j'ai oublié le nom. C'était Creveda C'est une équipe en il me semble. Exact. Ils, ils ont struggled first half, mais mm. ils, ils, ont, ils ont comeback après. Euh, je vais parler de la game de Milan, ma team. Euh, domination complète de Newcastle J'étais quand même surpris qu'on les a dominés autant 0 -0. que ça. Mais ça finit 0-0 parce qu'on n'est pas capable de marquer. On l'a prouvé encore cette fin de semaine, ça finit juste 1-0 notre game. On a eu plein de chances, mais on n'est juste pas capable de marquer. Mais dans cette game-là, Newcastle voulait pas. Il voulait juste le draw. Ouais, ils ont eu ce qu'ils voulaient, mais ils auraient pu facilement perdre genre 4-0. Arsenal smack PSV. You know what time it is. PSG. PSG a gagné contre Dortmund. PSG qui m'a surpris. Domination. 2 Dortmund n'est pas, pas, pas de... une grosse équipe que ça là. non mais d'habitude Dortmund c'est une bonne équipe ils sont oui, moins bonnes maintenant PSG guys c'était cette game là était un much watch mais parce hum. que la game était absolument ouverte il y avait de l'attaque de... la contre-attaque l'attaque tout le temps c'était insane c'était back and forth la défense de Dortmund est trash exact puis tu joues contre Mbappé batterie Mbappé a même pas bien joué tant que ça il a marqué des biens avec des pénaltys. Qu'est-ce que je voulais vous parler, moi, c'était Latio-Atletico-Madrid. C'est sûr que ça allait finir un draw. C'est sûr que la game allait être plate. Mais qu'est-ce qui était nice, c'est la dernière minute, corner kick. Qui qui marque? Le gardien de Latio pour taire la game hey! à la 96e minute. Puis oh, un gros but. Nice. Yeah. Un header. Et un un gros, gros header nice. oh. pour sauver la game à Latio, parce que Atletico les a dominés. Euh, Puis c'est à peu près ça, man. Les autres games c'était. United comme Bayern, 4-3, grosse, grosse. Ah oh, oui, Bayern United, shit. Grosse oh, game, moi, là. là. Moi, moi, ma question, ben, vous avez sûrement pas écouté les games, parce que vous êtes Non, non, Bayern gagnait tout le long. Puis yeah. United a moi. fait des moi, buts pour plus. rester dans la game, <laughs> mais ils il pas. gagné. Il yeah, Bayern est censé être une des meilleures équipes de la Champions League. Et mm -hmm. présentement, le forum de Manchester United est absolument trash. Okay. Quand je te dis dans la Premier League, ils font absolument fuck all. Ils gagnent des games 1-0 par pure chance. Mm -hmm. Qu'il a mis trois buts contre Bayern. Puis que ça soit tout le temps comme Bayern marque un but, United marque un but. comme Ils ont, ils ont tout le temps resté dans la game. J'étais surpris. Mais en même temps, j'étais. Est-ce que Bayern est vraiment si bon que ça? Personnellement, avec euh, les dernières années que j'écoutais Bayern, je trouve que Bayern, c'est des chokers. Malheureusement. Moi, je trouve que Bayern n'est juste pas focus dans les games group stage. Non, euh... mais, mais même là, je trouvais qu'avant Bayern se rendait. Il, était pas, il, il foirait quand il se rendait loin. Dans les ouais. débuts de game, c'était 2-0, 3-0. Là, 4-3 contre Man United. Mais ils ont plus la même team. Ils ont changé, ils ont changé le coach. L'équipe euh... de United, Nicky, est vraiment trash. Non, je sais, mais dans cette game-là, United l'année passée, ils ont aussi joué contre Bayern l'année Passée, puis ça a fini de jouer. Puis je me rappelle parce que je pense que Laurent avait fait une prédiction, puis il avait dit il y avait mis United Gang. Les hommes étaient malades, ils vont jamais battre euh, um, Bayern. Puis ils ont réussi à faire un drop. C'est aussi dans le high-scoring game, genre c'était genre 2-2. Puis c'est une affaire de Bayern gagné, puis United est revenu dans la game. Donc moi je suis pas surpris de ça. Puis aussi les teams, souvent leur focus, leur level of play est meilleur en Champions League. Que genre dans la ligue normale, genre comme ils jouent trash dans leur, dans leur ligue, mais quand ils arrivent pour jouer en Champions League, ils mettent plus d'efforts. Bayern, yeah. euh, je pense que eux ils savent déjà qu'ils vont passer, euh, ils s'en foutent. La petite Bayern, c'est vraiment quand ils jouent les games euh, comme élimination, comme si tu peux, ils se peuvent faire éliminer. Là, je trouve beaucoup plus Bayern que quand ils jouent euh, dans des dans un groupe C. je parce que souvent. Vu qu'ils savent déjà qu'ils vont passer le groupe parce qu'il y a deux teams dans le groupe qui trash. À part s'ils ouais. sont dans le groupe de la mort, là, peut-être que. Là, ils savent que ils auraient pu perdre contre United puis, puis, puis dire on autres. va still faire en premier. Ouais, so... Copenhagen -Cop -Cop puis Gala-Stasare. Gala-Stasare, c'est ça. So, ils savent déjà qu'ils ont deux comme Keikwok, là. So, ils s'en foutent. Ouais, Moi, je vrai. pense que c'est vraiment juste parce qu'ils gagnaient 2-0. Ils gagnaient 2-0. Ils ont en fait comeback. Bayern a continué. Mais Bayern n'a jamais. Pas Bayern, mais Maynu a jamais été la game. non la comme Il était proche. Deux, ouais, ça s'est tenu 2-1, 3-1. 3-2, 4-2. C'est ça. Bayern, United a juste continué à jouer. Est ce qui est chalade à eux parce qu'ils n'ont pas arrêté. Est-ce qu'ils sont capables de mettre ce format dans la Premier League C'est ça la question. Yeah, yeah. Cette, fin, cette fin de semaine, ils ont joué, mon gars, c'est trash. Écoutez la game. Ah, contre Tottenham 2-2. Ah, 2-2. Pas super Non, aujourd'hui, ils ne jouaient pas Tottenham. Aujourd'hui, ils jouaient. Euh... Non, ça, ils ne jouaient joue contre Tottenham. Ils jouaient une trash team aujourd'hui. Il jouait genre West Ham. Oh, Kenny Pickett. Ah, oh, attends, c'est West Ham. Attends, ils ont joué hier, c'était Burnley, ils jouaient, puis ils ont gagné 1-0, puis se sont fait dominer par Burnley. Ah oh ouais, ça a été. Euh, une une, une contre-attaque, un but Bon. Est-ce que c'est tout? yeah Alright, guys, merci de nous écouter. Like, share, follow, subscribe, comment. Et puis, euh, yeah. Et puis si vous avez d'autres questions qu'on voulait qu'on discu qu discute dans, dans le podcast, écrivez-nous dans les comments ou DM, on va vous répondre. Ça nous fait plaisir. Alright. Out.